un temps dégueulasse, il pleut à plein temps, mais le résultat est là, avec cette magnifique noire, hyper content. Petite power garlic, a fait le job là. Allez, je vais vite la remettre à l'eau, me faire un petit thé, puis j'espère en reprendre plein d'autres après. Un super poisson magnifique, toujours à la power garlic. Voilà, 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 une super carpe avec plein d'écailles. Je la surnomme la voie lactée avec toutes ces micros écailles. Je suis trop content là. Ça, c'est du pur fish. Donc bonjour à tous, aujourd'hui je me retrouve sur le même plan d'eau que la semaine dernière avec un temps complètement différent. Là c'est vraiment l'opposé. La semaine dernière c'était de la pluie toute la journée, un ciel gris, des conditions pas favorables à la pêche, mais j'ai réussi à faire, comme vous avez pu le voir, deux superbes poissons. Ah là là, franchement je ne pouvais pas espérer mieux pour ce type de journée. Donc là aujourd'hui, donc, comme je disais, même plan d'eau, mais une météo qui a complètement changé. Donc là, le matin, il fait très très froid. Ça, il y a même un peu de gelée. Et bon, de toute façon, ils annoncent du super soleil dans la journée là. Pour le moment, j'ai encore gardé le bonnet. Donc je compte bien l'enlever au cours de la journée. Donc là, la stratégie va être similaire. J'amorce une zone dans les 50 mètres à peu près. Deux cannes dessus, séparées de 2-3 mètres, échelle de bouillette power garlic. Et là, pour cette fois-ci, j'ai mis une troisième canne sur la bordure avec deux tigers. Donc voilà, petite canne bonus, je verrai bien ce que ça donne. Bon, j'espère faire aussi bien que la semaine dernière avec mes deux touches. Bon, avec les conditions météo, là, ça devrait être peut-être mieux. J'espère quand même faire un peu plus de poissons encore. Stratégie à peu près pareil, donc basée sur un mélange de pelé,
donc de secret tuna et monster crab, et de la bouillette power garlic en 15 mm. Et là, j'ai rajouté pour cette fois-ci de la tiger. Et j'ai arrosé généreusement de liquide Robin Red le jour même. Et la veille, j'ai fait aussi un beau petit nappage sur les pelés. Donc là, ça fera une attraction, une diffusion très très longue et vraiment instantanée. Et voilà, je suis parti sur cette gamme-là parce que les eaux ont du mal quand même à se réchauffer. Il y a beaucoup de différence entre la nuit et le jour. Et cette bouillette-là va vraiment apporter le plus et stimuler au maximum les poissons. Donc on verra bien. En général, ça commence à se manifester les poissons en début d'après-midi. Donc là, je pense avec les conditions comme ça, quand le soleil va monter un peu plus, je pense que ça va réchauffer l'eau et les poissons par la même occasion. Touche, multi ring, voilà, cette belle miroir, c'est top. Voilà, comme je disais, le soleil a monté, il fait meilleur et les carpes elles arrivent aussi. Voilà, donc la stratégie à payer, ça rentre, on commence à avoir quelques petits bips encore, donc c'est bon signe. Avec quelques photos et la remise à l'eau. Voilà, donc je viens de faire une super carpe, une petite miroir magnifique, je suis hyper content. Voilà, le soleil est bien là, j'ai retiré mon bonnet, j'ai mis la belle casquette, je vais pouvoir profiter un peu de ce soleil. Donc voilà, comme je disais, les carpes sont sorties en même temps que la montée du soleil. En remontant mes lignes, j'ai constaté qu'il y avait de l'herbe, une herbe verte bien collante. Donc je pense qu'elle tapisse juste le fond du plan d'eau, donc c'est pas hyper... hyper gênant. Donc voilà, j'ai choisi le multi-ring, donc j'ai bien fait de prendre ce montage là, ça permet de décoller des appâts de quelques centimètres. Donc là j'ai éché d'une Tiger Nuts flottante, et voilà, donc c'est vraiment une présentation que j'adore, que j'utilise très très souvent toute l'année. Là c'est très simple, c'est un hameçon Shod 4. Dans la boucle de multi-ring, je mets donc c'est cette vrille qui permet de décher n'importe quelle hache. Donc là, c'est du plastique, ça tient parfaitement bien. Je l'ai retrouvé au bout de l'hameçon quand la carpe était dans l'épuisette. Donc voilà, moi j'adore cette présentation-là. Très très simple et hyper efficace pour présenter un appât flottant 2-3 cm au-dessus du fond.
Voilà, je viens de faire une nouvelle miroir, donc super content, hein, sous un super soleil. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de touche, donc là elle tombe à pic. J'ai juste changé l'èche. Oh, départ! Donc j'allais justement vous présenter ce montage avec lequel j'ai pris la dernière miroir. Et là, je relance mes cannes 5 minutes après, départ, avec le même montage. Hop, et une belle petite miroir encore, une belle petite boule. Ça fait super plaisir, il fait super beau là. Sous le soleil comme ça, c'est un régal. L'eau, elle est hyper claire en plus, donc je vois bien le combat au bord, là, c'est vraiment top. Donc celle-ci avec un petit dumbbell amber, j'avais changé, je me disais carné, épicé, ça donnait plus grand chose. Là je passe sur mes deux cannes en fruité, bien puissant, et là 5 minutes, boum, bel miroir. Donc là je vais faire quelques photos, la relâcher, puis je vais vous montrer ce badling avec elle, je fais ce poisson. Ça montre que le changement de couleur et d'arôme paye vraiment, et je vais continuer sur cette lancée. Donc comme je disais, il fait super beau, donc ça fait hyper plaisir d'avoir fait ces deux belles miroirs. Je la voyais bien combattre sous la canne dans l'eau transparente, c'était très très appréciable. Donc voilà, je l'ai piqué encore avec le cadering. Donc là je l'ai fait en combi link, donc une partie rigide en fluorocarbone et une partie souple devant l'hameçon en tresse. Donc la particularité, bon là c'est un hameçon curve taille 8. La particularité c'est que je mets un petit sinker en tungstène sur la hampe de l'hameçon. D'habitude je mets un petit chevrotine sur le cheveu. Mais là j'ai voulu changer et ça permet une agressivité du montage encore plus forte. Le dumbbell est décollé de la hauteur du cheveu quasiment, et il y a juste la petite partie tungstène qui a à se poser sur le fond, et la hampe elle est en suspension, donc vraiment quelque chose de très très agressif. Dès que le poisson l'aspire, c'est piqûre immédiate. À chaque fois ils étaient piqués pile dans la lèvre inférieure, donc la décroche elle est vraiment nulle. Les appâts, donc au début c'était avec le rose Blood and Squid, et après là je suis passé il n'y a pas très longtemps sur un arôme très très puissant et très fruité, le Amber Pineapple. Et vraiment je sais pas si les poissons sont rentrés, mais là j'enchaîne touche sur touche en peu de temps. Donc, là j'ai mis même les deux cannes sur des appâts fruités, et ça les rend fous je pense. Je vais ramorcer un petit peu et voir par la suite si ça continue sur cette lancée. Donc voilà, cette journée s'achève sous encore un très très beau soleil. Donc j'ai passé une super journée, j'ai fait 3 carpes, quelques tanches. Bon, après c'est le jeu, ça fait quelques touches et c'est toujours sympa, j'aime bien, c'est un joli petit poisson ça. Donc voilà, j'ai montré à travers cette vidéo, à travers ce grand format même, mes techniques, voilà mon approche. Deux journées complètement différentes. Question météo, après la paix. Question poisson, ils étaient au rendez-vous à chaque fois, donc c'est super, ça fait du beau contenu. Donc voilà, je vais replier, rentrer chez moi, et puis je vous dis à la prochaine, et encore merci de me suivre, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, partager, et on se dit à très bientôt,
et faites-vous plaisir au bord de l'eau.